2. Mais il a changé. Ah bah maintenant, ça y est, ils ont fait des trous depuis que je suis passé. Ça va ? Les éléphants qui sont passés. Moi, je crois bien dormi. Attends, j'ai fait un lecteur. Tout est exprès sur moi. Voilà. Une demi-heure. Encore, j'ai un maillot d'international de Moulos au tournoi de Toulon. Ouais. Même cadet aussi, scolaire. Attention, j'ai tout. Oh. Et c'est des reliques. Ah là... ouais, non, mais ça, c'est collector, ça. Oh. Cadet. Cadet. Ouais. C'est ton. T'as un maillot de René à Bordeaux. Ouais. Que donné j'ai... par qui? Non, en fait, non. René l'a donné à Jacques, Jacques me l'a donné et je l'ai redonné au président. Ça, c'est vachement. Hey, c'est vachement... Un, ça fait plaisir. Tiens, de faire un blond maillot. Ça fait plaisir de faire un maillot à un mec. Non, mais bon, ça va là. Et Mandanda, je lui ai dit que tu m'avais donné le maillot de Mandanda, il va pas être content. Hein. T'as joué avec Landy? Avec des placards. Ah oui, j'ai débuté. Non, mais parce que comme j'ai joué. Bah, Louis, j'ai joué jusqu'à. Président, il est venu en quelle année à Montpellier? 77. 17, ouais. 77, voilà, ouais, c'est ça. Alors, Michel a dû venir en 78, non? Qui ça? Michel, vas-y. 79. 79, ouais, parce qu'il ouais. Est revenu de Lille, puis après il est reparti. C'est Roger qui l'avait fait venir. Ah oui, c'est Henri, ouais. Et puis parlons d'Indy aussi. Ah, c'est tout en mieux. Ah, mais c'est vrai que ça, c'est un métal qu'on a entendu. C'est agaçant parce qu'on a l'impression que tout le football français est victime du syndrome Giroud. C'est-à-dire que le match n'est pas voilà, c'est sur le maintien, surtout pas en avant. Et c'est bon, Giroud, quand même. Oui, il était bon, mais bon. C'est un truc. C'est cool, ça fait de physique. Oh, Miloud. Sélectionneur de la Bosnie, ça fait de physique. Ah. Joueur du Paris Saint-Germain, de l'AS Cannes. Comment il s'appelle? Ah putain, Miloud, là tu me déçois. Ils m'ont fait sa fête, Souzi. Là tu me déçois, Miloud. Oh, tu connais que les joueurs sénégalais ou quoi? Ouais. Oh. Tu te souviens de lui quand même? Non, mais je connais quand quel poste il jouait, Miloud? Dernis. Oh, Jojo, viens. Je connais Dernis quand même. Quel poste il jouait, lui? Je sais pas. Moi, je sais pas. Allez, arrête, c'est super milieu récupérateur. Oh. Gardien, non? Nico, tu as vu ça? Voilà la culture des jeunes footballeurs sénégalais. Pur, ouais. Non, mais au moins, je connais. Oh, Lucem! Dernis. Gros, c'est ça le plus important. Si t'as connu ça dans ta carrière, gros, t'as tout. Dans la serviette. Hein? T'aurais gagné aujourd'hui. Cannabis. Cannabis. Je vous présente Cannabis. Cannabis. Oh, il est KO. C'est quoi? Bien, 2 minutes, j'étais devant le truc. Hop. Il me dit, mais vas-y, tu tires un bon coup, tu tapes en même temps. Oh putain. Ah, comme ça, le truc qui part. Tranquille. On se promène, on est ensemble depuis 3 jours. Ça va. On attend ça avec impatience, mais on est détendu. C'est un beau moment à passer, de toute façon. Non? Non, franchement, même pas. Non. On parle de tout, mais pas de la finale. En fait, on sait que, voilà, on sait que ça va être un grand moment, on sait que ça va être énorme. Ça sert à rien de se mettre de pression inutile, tu vois. Non, t'en penses quoi? J'ai demandé ton avis à chaque fois. Hein. J'avais jamais vu. Faut qu'il te sente, faut qu'il te sente. Vas-y, il te sent, il sait que t'es gentil après moi. Il a été monté, il a brouté, il a été touché, donc maintenant il se dit que. Il aimerait bien approcher. Approche ? Pas la peur comme ça, toi aussi. Toi, de faire des trucs comme ça, arrête. Vas-y, vas-y. Wallah, il mord pas, wallah, il mord pas. Vas-y, mets. Vas-y, regarde-moi. Mais faut des frères, tu me gâches la photo là. Attends, là, tu fais comme ça, Ouais, c'est un t'as passé le cap.
Arrête, faut dire que mon père, t'as vu, il va me taper, vrai. Ah, mais franchement, il est balèze. Vas-y, prends photo, prends photo. Vas-y, vraiment. Mon gars, il fait trop peur. Oh, mon père, il est de 5 kilos, là, je crois. Ah, c'est le cheval, il a eu peur, tu sais. Essayer de le réconforter un peu. Ouais, ouais, c'est comme ça. Il a peur après, voilà, il est costaud, là. Après il a peur des chevaux. J'ai pas voulu lui faire peur. Là. Allez, va. Il est en stress. T'as vu, il est en stress, le pauvre. Ouais, il a peur de toi un peu. Hein. Je le rassure. Ouais, il est parti à la fin. Déjà, ça fait longtemps, donc on perd un peu la mémoire. Non, c'est... hier on en parlait un petit peu, hier par exemple on est allé au Stade de France s'entraîner sur la pelouse, nous on n'avait pas été au Parc des Princes s'entraîner, on était arrivé le jour même, voilà, il y a quelques petits détails qui changent, autrement après les journées ce sont les mêmes pratiquement, quoi, hein. Avec la pression qui monte petit à petit, on connaît l'importance de ce match, voilà, mais autrement... Il n'y a rien qui change. Ben, disons non, moi, je pense pas qu'on soit stressé. C'est sûr que ce matin, y a peut-être un peu moins de rire, un peu moins de plaisanterie, mais on sent des garçons concentrés. Je pense pas qu'il a peur. C'est bien d'être comme ça. Faut pas le jouer avant, surtout pas. Donc c'est pour ça qu'ici on a un cadre magnifique. Ça fait 3 jours qu'on est là et pour l'instant tout se passe bien, quoi. Ben, la bonne manière, c'est quand on la gagne. En fait, les petits conseils, on peut en donner, bon, sur du placement. Puis, et surtout, je pense que ça va se jouer sur l'aspect psychologique. Il va pas falloir qu'on recule. Eux, ils ont des joueurs de grosse expérience. Heinze, tout ça, ils savent quand il faut mettre le bordel. Nous, là, il va pas falloir qu'on recule. Il va falloir qu'on soit présent à ce niveau-là. Et je pense qu'on va l'être. Non, on vient de faire la marche, on est déjà à midi et demi, on a collation, causerie, et puis on part au match, quoi. C'est une journée classique dans son contenu. Après, c'est sûr que c'est un événement particulier, c'est une finale. Mais bon, en championnat, c'est les mêmes journées. En termes de qualité de jeu, moi je suis, pour répondre à votre question, un petit peu frustré par rapport à la qualité de jeu. Arrête-toi là. Ouais, please. Hein? Vas-y. La deuxième aussi. Oh putain. Juste pour avoir ce qu'il me dit, j'ai mis 15 dollars en gros. En gros, la musique, c'est 15 euros. C'est mon projet qui est. Ah, ils avaient pris 30 points, je crois, au début de saison. C'est le premier match. Ouais. Moi, je vais t'obliger de rester tranquille. Il a 6 mois.
prends le deuxième. Et nectar aussi. Et non. Vraiment de suite. Un nectar. Et en plus, les mains, ils vont regarder comment il est accro sur la garde de match. Ah ouais? Ouais, en train de dormir. Centre-ville. Normalement, c'est toi bien. Normalement, tu mets un quart d'heure. C'est pas... Ah, c'est possible. Ouais, tu vois. Et au moment donné. C'est la magie. Il est là. Là, on a fait la promenade. On a 20 minutes pour aller jusqu'à la collation. 3 quarts d'heure à. Pour se préparer, aller à la réunion et puis en étant habillé, quoi, costard et tout. Donc voilà, là, la pression commence à monter. Petit à petit, tranquillou, juste la bonne. Voilà, bon, on est vraiment impatients. Ça fait 3 jours qu'on attend ça, donc voilà. Quoi. Ce Stade de France, quand même, quelles impressions? Même s'il était vide. Ouais, il était vide, ouais. C'est, bah, la pelouse, un peu déçue parce que bon, ils font toutes sortes de manifestations, de spectacles et tout dessus, donc même le rugby. Donc ça l'abîme un peu. Après, par rapport au stade, il est exceptionnel. Contre Marseille à la Mosson, il y avait 25 000 spectateurs, je crois. Là, il y en aura 3 fois plus. Donc bon, le stade entier ne sera pas acquis à notre cause, mais bon, c'est pas grave. On espère que les 20 000 payadins font un maximum de bruit, en tout cas. Là, on fait les affaires et puis on se préparera après, et puis en même temps que le costard, quoi, et compagnie, le petit polo qui nous a été fourni. Donc voilà, il va falloir qu'on prenne les serviettes, parce que je sais pas si Eric nous a pris les serviettes, hein, pour le Stade de France. Voilà, sinon on va pas oublier de prendre le petit savon. Le petit nécessaire de couture. Hein, Belge? Tiens, oui, gros. Tout à l'heure. Ça, c'est le recto. Maintenant, il faut faire le verso. J'ai pas eu le temps de le faire en Montpellier. Allez, la paillade. Parce que sur le premier côté, j'ai fait un petit message d'amour à ma famille et à la DME. Et sur le dos, il faut que je fasse une dédicace à la paillade. Voilà. Le tour est joué. Ouais. Regarde-le, il est torse nu. Vas-y, filme-le, il n'y a pas de gel. Regarde comme il est costaud. Bah ouais. Non, mais c'est moi. Fais voir ce que t'as fait. C'est sympa, non? Bah ouais, c'est cool. Voilà. T'as fait à la règle. Ça, c'est pour ma famille et la DME. C'est quoi la DME? Ah, si tu savais. Ce soir, ce sera encore un niveau supérieur avec tous ces supporters qui ont fait le déplacement et avec toute l'équipe. Maintenant, c'est d'autres sensations, d'autres émotions, je pense, que je vais découvrir. Mais voilà, ça restera que magnifique et j'espère garder un super souvenir de cette finale et pas rester sur un échec. Qu'est-ce que tu as ressenti justement quand t'es revenu au Stade de France? Ben, ça m'a fait bizarre quand même de voir cette pelouse que je connaissais et de me dire qu'en 2 ans j'ai parcouru du chemin, j'ai franchi quelques paliers et j'espère ne pas m'arrêter là et pouvoir continuer encore à grandir et revenir tous les 2 ans si c'était possible. Qu'est-ce que tu veux, c'est le match le plus important de notre jeune carrière. Non, Benj? Ben ouais, pour l'instant. Ouais, voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On savoure vraiment ces moments-là. Et voilà, ce serait vraiment bête de passer à côté. Et j'ai vraiment envie de ramener cette coupe sur la place de la com et vraiment communier avec le peuple montpellier. On n'y pense pas parce que on se fait tellement des idées, des images de joie dans notre tête que ouais, on n'envisage pas la défaite. Mais pour moi, ce sera, enfin, personnellement, si je peux parler pour moi, ce sera une grosse déception, même si c'est vrai qu'on n'est pas favori et qu'on a peu de chances de la gagner. Mais au plus profond de moi, j'estime qu'on a autant de chances que Marseille.
soyons vigilants de ne pas tomber tout simplement dans la roue. Hein, c'est un événement extraordinaire à disputer, hein, devant beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup de regards sur nous, entre nous, sur le terrain, présence, engagement, volonté, on loupe un truc, tout le monde loupe quelque chose, on n'en tient pas rigueur, on s'encourage, on se bat les uns pour les autres, hein, on se défausse. Je vous ai mis un petit mot à la fin, vous verrez, il n'y a que ça de vous. On va attaquer dans la composition suivante, les gars. Tout le monde le voit ? Laurent dans les buts. Gary, Benji, Map, CC. Ok ? Jamel, Romain. Younes, Jo côté droit. Soulet côté gauche. Olive, dans l'axe. Ok, les gars ? Je vous l'ai dit, défensivement, j'insiste toujours là-dessus. Gary, CC, Benji, Map, on a un rôle à remplir. Soyons bons dans ce qu'on a à faire. Soyons bons dans ce qu'on a à faire. Avant d'en rajouter, Olive qui va. Olive, te fais pas manger. Toujours par rapport, comme tu l'as fait dimanche dernier, mais ne laisse pas partir. Hein. Donne-lui la possibilité de le prendre, le couloir, et après on vient filer pour lui. D'accord ? Et ça, c'est important. Et puis, la phrase, elle n'est pas de moi, mais elle est bien vraie. Seule la victoire, il faut qu'on s'y habitue. Même si on n'a pas l'habitude, il faut qu'on s'y habitue. Ok ? Alors juste, un petit peu exceptionnellement, c'est pas. On va regarder une petite vidéo qui doit nous servir juste pour être en confiance. Hein ? Très simplement, c'est nous, il n'y a pas de, piège. C'est le regarder tranquillement. Il n'y a pas de triomphalisme, il n'y a pas de. La finale n'est pas passée encore. Regardez ça un petit peu, mais de savoir se persuader qu'on est capable de faire des choses intéressantes. Un truc de fou. Bon, il faut gagner maintenant.